Qu'est-ce qu'on est en train de faire là les gars? On est en train de faire la queue avec tout le monde. On rentre dans le bus pour MW2, les tests. T'es qui? Ouais, toi-même. Toi t'es qui là? C'est toi, t'es qui? T'es une caméraman? Le staff technique, qu'est-ce qu'il fait là? Du coup là, on est tous dans le bus comme des gosses, on part en colonie. Bon, allez à toutes, on voit quand on se retrouve. On va mettre le Twitch, ouais. Et on va mettre mais nos touches sûrement. Franchement, il y a 4 heures de prévu, je pense qu'on va pouvoir jouer un peu. Tu penses? Ça m'étonnerait que tu vois. Tu sais que je pense pas, frérot. Hein. Ah ouais? Je suis pas sûr. Allez, on verra, je suis un peu pessimiste. Là, on est à la queue, il y a tout le monde qui fait la queue. Il y a tous les streamers, les youtubeurs les plus connus du game qui débarquent. Pour aller juste ici, passer ce gros portique de sécurité avec ces gens, on dirait que c'est du FBI, les bonhommes. Et après, ça va tester le jeu, ça va mettre nos logs, on va se régaler. Hey, what's up Skywars? Yeah, what's up? Yeah, are you waiting for rentrer juste ici? Yeah, I'm waiting for rentrer jusqu'ici. Je suis très très hype d'être ici. Mais, en fait, t'es au courant que quand tu mets une intro sur un endroit où tu pourrais absolument pas faire ce qu'il y a à l'intérieur. Mec, je leur montre tout. Après, tu sais, Paris, même s'ils le voient pas, je pourrais, à la fin, je parlerai de ce que j'ai vu, tout ça. Et dans tous les cas, ça sortira avant demain, 19h sûrement. Dans tous les cas, je vlog ce que je fais. À toutes. On n'a pas le droit aux caméras ni aux appareils photo, sauf ici à l'entrée pour voir ça. Et je vais pas vous mentir, on s'en fout ça. Ça, c'est de la merde. Du coup, je crois que c'est tout ce que je pouvais vous montrer à l'intérieur. Je vois si je peux faire d'autres trucs sneaky biki. On s'est au courant. C'est des images exclusives. PC, des setups, une arène entière. Just crazy guys. Ok, je vais devoir couper la caméra. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a repéré. Regardez cette ambiance de ouf les gars. Il y a rien de PC les gars, regardez. Nous tous, on aura accès à un setup comme ça. Nous dans cette arène de malade, on est placé là. J'ai vu des pubs pour Warzone 2. Je répète. No filming. Ok les gars, je vous avais dit que c'était risqué. J'ai pris tous les risques pour vous. Peut-être que si on prend la hauteur vite fait. On va être dans une sorte d'arène. Il y aura tous les meilleurs joueurs du monde. En vrai de vrai, ça va être un lobby WSOW. Et ça va être trop bien, vous savez pourquoi? Parce que je suis entraîné. On va les choper les mecs. Oh my fucking god. Oh my god. Et du coup là en fait on a un PC stream. Tu vois qu'on doit entièrement paramétrer nous. Vous voyez comment moi je suis doué. Du coup vous attendez pas à avoir un live extrêmement setup, j'ai juste foutu la caméra et basta, tu vois, je vais faire au mieux. Ok, bon, le jeu est grave cool, les armes sont super bien, le jeu est beau. Pour le moment, je vois juste un gros défaut qui me saute aux yeux, la mécanique de slide. Avant, tu pouvais slide, arrêter le truc et faire un joli mouvement, mais là, tu peux pas l'arrêter, comme si t'étais dans une luge. Je vous en parle un peu plus en détail après. Je suis perplexe, je sais pas quoi en penser. Bon allez, je coupe avant de me faire défoncer par la sécu. Nous voilà en pleine nuit, dans les rues de Los Angeles. T'as ton après-midi? J'ai kiffé mon après-midi. Non, pas, enfin un peu, vite fait à l'intérieur, mais je pense qu'on va en faire un bien mieux tous les deux. L'organisation est sympa, il y a beaucoup de bugs, normal, tu me diras. J'ai parlé un peu des bugs, frérot. Il y a énormément de bugs, t'as l'impression que les gars ils s'y connaissent pas. En fait, tous on a eu des problèmes OBS, ouais. Tous on a eu des crashs, tous on a eu besoin d'aide. Et sur chaque PC, les personnes ont passé entre une demi-heure et une heure, tu vois. Demain, on se lève à 7h et quelques, rendez-vous à 20h, à 8h dans le hall. Alors ça, par contre, on peut le dire, on a joué dans des lobbies. Il y avait que des chiens. Mais des chiens. Oh. T'as un blast peut-être. Plus j'entends plus. The fuck. On vient de croiser Dark Maul. Ouais, le mec là qui vient de passer. Ah ouais. Mais j'ai eu froid dans le dos. Mais attends. J'ai l'impression que lui, je sais pas, il est prêt à faire un truc. Non mais mec, c'est pour ça que. En fait, ça ferme à 21h parce que c'est trop dangereux ici le soir. Du coup, on a essayé le jeu. En vrai, les armes sont grave cool. Il y a beaucoup de points positifs au jeu. Il y a un point négatif qui est revenu chez absolument tout le monde. On a parlé avec les Italiens, les Anglais, quelques Américains. Tout le monde pense pareil. Oui, Sky. Le slide, c'est de la merde. C'est horrible, c'est nul. Le slide, c'est de la merde. Le slide, c'est de la merde. Ils avaient dit en plus, les Américains, quand ils avaient joué au jeu, ils avaient dit, vous allez voir, le slide, il est là, mais c'est de la merde. Qu'est-ce que ça donne, le slide, sur le jeu? Ouais, avec plaisir. On a le droit à un mime de Mamzol sur ce que ça rend, le slide. Vas-y.
Oh, t'as déclenché le slide, frérot. C'est long. C'est super long, c'est frérot. Long. Et en fait, le slide, tu le déclenches et ça ralentit au fur et à mesure, comme une petite descente en roller. C'est. Non, mais surtout que. Pue la merde. C'est super stressant parce que même le changement d'arme pour aller tirer et tout, il y a un laps de temps. En fait, si t'as enclenché le slide et qu'on te tire dessus ou quoi que ce soit, t'es dead. Voilà, tu te fais enculer. Oh les gars, il y a autre chose que vous devez savoir. Ils ont sorti la liste de toutes les personnes qui avaient été invitées en mode joli sur l'Instagram, leur Twitter et tout. Ils ont quasiment pensé aux Français. On n'y est pas. Il y a aucun Français. Ouais. Aucun Français, les gars. Il y a que les Américains qui sont même dessus. Même Gotaga, il n'y est pas. Ah, mais même Gotha, toi, moi, Mabzou, on n'y est pas. J'arrête le brief ici, les gars. Il y a un bœuf. On vous a donné des premières impressions. Un peu cru, un peu sauvage, comme bien souvent. Waouh, c'est joli ici. Regarde ça. Allez, j'entre au restaurant. Je vous montre ce que je mange tout à l'heure. On attend au Sky. T'es pris quoi? Agneau. Le mouton. Et toi? Moi je mange rien, moi, j'ai pas faim. Alors Mabzou, il recommence sur l'histoire des régimes. Ouais. En fait ça fait 40 minutes qu'on attend et ils ont servi le mauvais truc. Du coup il est reparti pour attendre pendant 40 minutes. Moi en attendant, je vais finir mon petit morceau de Wagyu. Regardez ça. Regardez comment il est beau. Ils se sont trompés sur sa commande. Quoi? Ils se sont trompés sur sa commande. J'ai pensé, mais... Il y a eu une erreur sur sa commande. Ah. I ordered a rib, I redo. Ah d'accord. Ah, no problem. Pas de problème. Thank you. Bonjour tout le monde. C'est ici. Et coucou. Coucou. On va se régaler. Demain on sera dans des lobbies. Ça va être pire que les Worlds. Les mecs ils vont jouer comme des chiens crevés. Sur ce je vous laisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée à mes côtés. Pensez à liker cette vidéo, c'est important. C'était chaud. Peace. Yo les ultras. Aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi, il est 7h50 du matin. J'ai rendez-vous à 8h dans le hall. On est dans une sorte d'arène, comme je vous ai montré. On est 200, pas naïf. C'est sûrement Warzone 2 aussi, qu'on va pouvoir tester tout à l'heure. Au moment où je vous en parle, j'en sais toujours rien, putain. Avec tous les problèmes techniques que tout le monde a, j'espère que ça va le faire. Je prie juste de pas avoir un gros bug. En termes de placement, on a Mikalo, Gotaga, moi, Kairos, Mabzuel, Pumpkill, Lowan. Je pense que c'est V12 après, j'ai pas fait attention. Mais on a une bonne line-up de français. Il va falloir défoncer les autres. Juste au-dessus de nous, on a Amy, Sprat, Jukeys. Ça va cogner, chat. Ça va être sportif. Il est 7h51. Je vais essayer de me pointer avec 2 minutes d'avance à toutes les ultras. Peace. Ce chien de Skyros. J'arrive pas à voir le retour. Zach, le Quackman aussi. On est bien les gars. Alors cet event, tu te sens comment Zach? Je me sens bien. Bien? Confiant? Ouais, je suis content. En vrai, on a une bonne rangée de français. Hein. Bah oui. Après cet event, j'aimerais te demander ton avis le plus honnête et le plus direct. Vas-y. Mikalo, tu dis le mot de fer? Abonnez-vous à la chaîne. Je suis installé, c'est bon, je suis arrivé dans l'hangar. Avec que des streamers, des youtubeurs. C'est pas un truc de baiser quoi. C'est un truc de baiser. Je vais paramétrer mes touches et je vais vérifier que tout marche. Les ultras, tous ceux qui veulent passer dans le vlog, vous avez juste à écrire un message dans le chat. Oh my god, so many people. Oh my fucking god, just insane. Holy shit, man. Holy crap. What's up, man? Ok, non mais c'était le moment avant de casser le cul à ces connards en multijoueur. C'est ici même que vous voyez la première fois la map. Oh mec, du coup là-bas c'est l'observatoire. Là-bas c'est mon spawn. Ouais. The fuck, mec, c'est trop beau. Du coup Warzone 2 les gars, imaginez le nombre de mouvements comme ça qu'on pourrait faire. Les gars, regardez ce mouvement. Est-ce que vous imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire avec un mouvement comme ça? Première game sur Warzone 2. Ok, donc... Ok les gars. Mec, c'est excellent. C'est excellent. On atterrit où les gars? On commence par où? Je vais aller au nord de la map. On va aller au nord de la map les gars. On va essayer de les sortir les mecs.
Comme ça, on goûte ces bâtiments, on se rapproche de par là et on clear tout ce qu'il y a. D'accord ? Première game, les gars, sur Warzone 2 ! Oh là ! Ah ouais, c'est vraiment marrant comme système. Le jeu est beau, mais la glissade pue tellement la merde que c'est... C'est un des trucs où tout le monde fera un retour de ça. Ok. Hello, my friend! Oh, crack, my friend! Outside! Crack! 1 HP! Behind me? Ok. It's ok avec Wizzy, my song. Ok, vas-y, on va continuer de clear cette zone, les gars. Stay dip already? Ok, une petite PM. Ok, j'ai une petite PM. Oh shit, man. Oh my, bro, I don't have enough room and I need my controller, bro. Oh my god. Non! Goulag? Ah, il y avait deux teams. Ah non, c'était pas deux teams! Ils ont lancé en trio et ils tryhardent les mecs. Hein. Ok, on est en 2 contre 2. Ok, 2 contre 2, mon premier goulag. What? Ok. Ok. Nice! Attends, on a gagné là? Attends, on a gagné ou on a pas gagné? Ok, leave game. T'as moyen de réduire le bruit de fond? Je vais essayer. Ta gueule! Désolé, frérot. Go observatory, my friend. Where are we going? Observatory going. Jump. The game. Okay, top pack. Okay. On me. J'aime bien le style et l'ambiance, c'est vraiment... Ah, my God. Crac. Hey Mikalo, well play. C'est chelou le stuff au sol, non? Frère, je comprends rien au stuff au sol. La même frérot, soit on est trop con, soit c'est pas évident. Ah du coup, il y a que deux plaques, t'as vu Mika? Ah regarde, on a une cible frérot. Aide-moi, Mika. Merde. Mika. Mais frérot, je suis crevé pour te réanimer. Mais les plaques, t'as rien dit. Je croyais qu'il avait tué. Bah non. Faut que tu me réanimes, gros. La vue spec est folle. La vue spec est stylée. La vue spec, c'est une caméra embarquée. Tu m'as vu, Mika. Oui. Je suis de retour, Mika. Le stuff, en fait, il est posé au sol comme s'il faisait partie du décor. Prends ça pour voir si c'est pas ça qui t'aime. Oh, merde.
Tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Il y a du C4 dessus. Il y a un mec juste là, je vais exploser le truc dessus. Il est juste là gros. Ah, c'est ça qui est dingue. Mec, mais c'est incroyable ce truc. C'est quoi? Tain, j'ai plus de balles et tout, gros. Ça pue la merde. Deux cracks sur toi. J'ai plus de balles, mec. Mais t'arrêtes un peu là, ça. C'est des bots? Trois mecs. Ils ont la ligne. Quatre mecs peut-être même. Je crois qu'il y a 4-5 mecs, frérot. Il y a marqué que je me suis fait tuer. Frérot, il y a Kills the Tatnan là, qui est juste à côté. Il est à la thermique et à la x3, frérot. Frérot, depuis tout à l'heure on attend pour ça, gros, t'es pas sérieux. Al Sharim passe, respawn, big dick. C'est à cause de l'avion. Allez, go les gars, on est parti. C'est pas ça. Bon. J'en ai détruit un sniper, Mika. Let's go! Test un 400! Oh là là là! Eh, bastardo! Non, bastardo, non! non, bastardo! You guys hear me? Yeah, I hear you, my friend. Ah, ok. Tellement de bots les gars, c'est affolant. Alors ça c'était pas un bot par contre. No, sniper. Regardez le Star qui est en train de tomber les gars. Ah Mika, t'es où? Mika, on est safe si tu je suis à côté de toi. Ok les gars. Ah, je suis mort, hein, Mika. Il campait à l'intérieur de la maison. Je te le pigne en crevé. Ils sont deux. Putain, quelle petite bite. Oh, le gros fils de pute. Il y en avait un qui campait sur le toit, l'autre à côté. Allez, go. Let's go, my friend. Let's go! Ciao, ciao! Yeah, my friend, yeah! Putain, j'ai rôti Isaac, les gars. Je suis sûr qu'ils campent comme des gros fils de pute à l'intérieur encore. En mode bien dégueulasse. C'est quoi ce merdier? Non, mais ils sont sur le toit, gros, ils bougent pas. Mais c'est qui joue comme ça, sérieux? C'est quoi ce team de merde? Les gars, ils sont trois sur un toit à pas bouger. Nice.
Ok les gars. Ok, ok, ok. Il va falloir que je retourne me looter. J'ai 4 kills. J'en ai eu deux. Deux résidents super. Mec, c'est vraiment des bots encore que vous arrivez. Jure, y'en a ni. Quoi? Y'en a ni. Y'a Nani? Ouais, j'ai entendu Nani proche. Derrière moi. Mec, sur moi. Je suis avec toi, Mika, je suis avec toi. Solo, y'en a en face là. Tu sais que c'est incompréhensible. Je vais monter là. Ouais, chaud, je te baise. Arrête de détruire Nani. Quoi? Avec ta manette, t'es mort. Ah, mais y'a le sac. Ah, mais c'est. En fait, c'est le truc de. Ouais, t'es peut-être défoncé. Merde. Il est où Nani là? Un HP sur le toit, un HP. Allongé, allongé sur le toit. C'est qui spam qui les Zach? Vas-y. Allez, ouais. Bon, ça dégage. On cherche un slide. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel gros? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de monde là? Ah t'es con, c'est grave. Mec, les trois qui t'ont tué sont des sauvages, je les ai même pas vus gros. Naa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 a
Hey guys, I'm gonna fuck you guys. What? Bro, go back to H1, bro. Go back to H1. I have no weapon, guys. Can I team with you? Yo, nice second place in the World Series. Where's that, dude? Bro, I come with no weapon. I come in peace, okay? Hey, bro, you just talk shit. I don't know. Hey, Symphony, I have no weapon. Keep calm, keep calm. Whoa! What the? Yo. Hey, man, yo, come this way. Keep calm. Hey, speed. I'm coming. Behind you. Behind you, guys. Behind you. Hey, is it right here? I'm behind you, my friend. I got a plate. I got a plate off the wall. Oh, courage. If you have paid for me, I suck you, man. They're still in that car, bro. They're still in it. That car's gonna win him the game, huh? They might, bro. I'm in bad situation. Yo, everyone shoot the car. Everyone shoot the car. Okay, yeah, fire! Everyone go up the car. Fire! Shoot it. Yeah. Shoot it. Blow him up. I didn't hear anyone shoot. What happened? Wait, who's coughing? That's Nah, I can't. Oh, yeah. No, it's me! No! I gotta fuck you guys. Ah les gars, complètement ravagé, top 4. Les gars, regardez comment ça joue hein. Mec, il temporise dans le gaz et tout, non mais les gars, ça tempo dans le gaz. Oh là là. Symphony qui fait là une tempo de ouf. Oh là là, oh mon dieu. Oh my god, c'est quoi ce fan game? Et c'est Diaz qui a gagné, c'est qu'ils ont tué au début. Eh, GG man. Oh, c'était rigolo quand même. Du coup, on va regarder l'animation et tout. Bifle trop fort. Ah, bifle, Diaz, tout ça, c'est. Non, tu sais, ça vous a fait rire. Yeah, fuck you guys. Yo les ultras, je viens de sortir du lieu où pour la première fois on a joué du coup à Modern Warfare 2 et à Warzone 2. Alors je vais commencer par le négatif parce que je suis français. Les bots ça pue la merde, le fait qu'il n'y ait pas de cancel slide. Point positif, le jeu est magnifique, extrêmement plaisant. Meilleur feeling que j'ai, c'est les armes. Clairement, chaque arme que tu prends quand tu tires avec, tu ressens la puissance de l'arme, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Moi j'adore, je me régale. Je me suis bien amusé pendant cette session. Le truc qui va vous surprendre peut-être, ce que j'ai le plus kiffé, c'est le mode troisième personne. Genre le mode troisième personne, le feu. Là on a Gotha qui est en train de faire son vlog aussi. Putain, il porte plus la caméra, il a plus besoin lui. Moi je le fais, mais ça me régale, j'aime trop ça. J'ai l'impression que je vous parle en direct. C'était le premier petit débrief. Je pense qu'on en fera un autre dans la chambre ce soir. Peut-être avec les copains, peut-être tout seul. Dans tous les cas, je vous tiens en courant, je vous fais des bisous. Là je suis un peu claqué. Allez, prenez soin de vous les ultras. Je vous dis à toutes.